Et c'est heureux que dans ce 175e, on ait laissé une trace, non seulement du 175e, mais une trace de notre histoire. Et l'histoire, elle se continue. Elle se continue à travers le temps, et elle se continue également à travers l'illustration de ce qu'on a été et de ce qu'on est en train de devenir. Et ça, c'est très heureux comme initiative de mobilisation d'un territoire qui a choisi de se distinguer, en harmonie avec ses voisins, de se distinguer dans la concertation, également avec la communauté autochtone, qui est une présence déterminante dans notre histoire et qui a influencé notre devenir et qui continue de l'influencer. Et je pense que toute la réflexion qu'on a fait autour de ce beau projet de concertation territoriale est tout à notre honneur. Et quand on reconnaît entre nous la beauté de notre histoire, bien, la beauté, quand on réussit à la traduire dans des œuvres comme celle qu'on va maintenant retrouver dans chacune de nos municipalités, c'est un continuum d'une histoire commune. Et ça, c'est très précieux comme geste, et c'est très précieux pour notre devenir. Quand on accepte de se partager nos beautés, bien, on accepte également de partager notre fierté. Et ce sentiment d'appartenance qu'on a réussi à illustrer de façon tout à fait exceptionnelle à travers les œuvres qui maintenant vont agrémenter nos municipalités locales. Dès le 16 janvier, le Grand Comité territorial était formé et pour nous, le travail commençait. Chaque comité local devait recruter des bénévoles qui souhaitaient participer à la réalisation de leurs projets dans leur milieu. Plusieurs tâches devaient être réalisées. Le choix du mur pour accueillir la fresque, idéalement sur un bâtiment appartenant déjà à la municipalité, lequel devait être situé au cœur du village ou de la municipalité, permettant ainsi d'être facilement accessible, tout en s'assurant de maximiser l'achalardage de nos milieux respectifs. Le choix de la thématique, des personnages et ou des éléments marquants de notre histoire locale, une étape importante qui a nécessité plusieurs recherches historiques. Le choix des artistes, des matériaux, des types de revêtements qu'ils préconisaient et avec lesquels ils souhaitaient travailler. Un croquis fut d'ailleurs requis à cette étape-là afin de bien illustrer l'ensemble de l'œuvre et pour pouvoir échanger avec les autres membres du comité territorial afin d'éviter que tous abordent la même thématique, exemple le grand feu ou l'arrivée du train. On voulait de la diversité. Également, on a dû travailler à la rédaction des textes accompagnant chacune des œuvres, lesquels furent ensuite traduits en anglais et également en langue innu pour la communauté de Mastouillache. La supervision des travaux entourant la réalisation des œuvres. Cette étape s'est déroulée du mois de mai jusqu'à tout récemment en septembre. Il a fallu également voir à l'élaboration d'une structure de financement territorial et local permettant de financer l'ensemble du projet qui a nécessité un investissement global de près de 95 000 $. Enfin, en lien avec la promotion touristique et le déploiement de ce circuit historique, des décisions à portée territoriale s'imposaient et furent prises par les comités locaux. Ainsi, il fut convenu collectivement du nom du circuit, Pequakami en fresque, le circuit de notre histoire, lequel faisait référence au lac Saint-Jean, une entité géographique à laquelle les gens s'identifient. En ce sens, il n'est pas rare d'entendre les gens de nos communautés dire qu'ils viennent du lac en sous-entendant le lac Saint-Jean. Pour la communauté innu de Mastouillache, Pequakami est un terme en langue montagnaise signifiant le lac plat et peu profond, en parlant du lac Saint-Jean. Pour la communauté janoise, nous sommes davantage habitués d'entendre Piekwagami. Mais bref, nous parlons tous du même plan d'eau, dont le nom initialement d'origine autochtone s'est modifié avec le temps. Considérant que ce circuit est d'abord et avant tout à saveur historique, et qu'il unit l'histoire de nos deux cultures, alors le comité a opté pour le terme Pequakami dans sa graphie autochtone.
Question d'assurer une certaine harmonisation, il fut également convenu ensemble de se doter d'une image commune pour l'impression des plaques historiques, des panneaux d'interprétation pour la promotion du circuit historique et historique qui sera assuré avec, par le CLD Domaine du Roi et pour le lancement officiel d'aujourd'hui. Au nom du comité territorial des fresques, il me fait particulièrement plaisir que nous soyons rassemblés ici aujourd'hui pour inaugurer Piekwakemi en fresque, le circuit de notre histoire. Un projet collectif qui a favorisé l'implication citoyenne en permettant à plus de 80 bénévoles de la MRC et de la communauté de Mastouillache d'investir plus de 1630 heures au développement de notre milieu, nous permettant de léguer aux plus jeunes et aux générations futures un héritage historique leur permettant de découvrir des chapitres importants vécus par nos ancêtres et qui ont permis de favoriser l'essor, de nos milieux. Enfin, au nom du comité territorial des fresques, je remercie plus particulièrement les nombreux bénévoles qui se sont engagés avec nous dans ce grand projet collectif. Nous ne pouvons pas tous les nommer au risque d'en oublier, mais vous vous reconnaissez. Les élus municipaux qui ont accompagné et supporté la mise en œuvre de ce projet, et enfin, les agents de développement du Centre local de développement Domaine du Roi, de la Société d'aide au développement des collectivités du lac Saint-Jean-Ouest et de la MRC qui nous ont accompagnés dans notre démarche. Merci de votre présence et maintenant je vous invite à promouvoir et visiter Piekwakemi en fresque, le circuit de notre histoire. Merci.